Bonjour sur la chaîne Mimanoufi. Aujourd'hui, nous allons faire un légume et nous avons choisi la pomme de terre. Il y a mille façons de faire les pommes de terre. En voici une qui nous vient de Suisse. Ça s'appelle des rösti. Donc, pour deux personnes, on prend quatre belles pommes de terre, 60 g de beurre, du sel et du poivre. Il faudra râper les pommes de terre avec une belle râpe. Si vous avez ce genre de râpe, tant mieux. Sinon, un robot ou ce que vous avez. Voici une autre râpe qui fera l'affaire. Voilà ce que cela donne. Les pommes de terre ont été toutes coupées. Nous allons maintenant les saler, poivrer. Bien mélanger. Voilà. Dans une poêle qui ne colle pas, on met la moitié du beurre à fondre. Une fois le beurre bien rempli, on ajoute les pommes de terre, toutes les pommes de terre. On les étale un petit peu tout au long de la poêle. Là, la poêle est un peu grande, donc on essaie d'agrandir un petit peu. L'idéal, c'est d'avoir une poêle plus petite, mais j'en avais pas. On a rajouté le reste de beurre par-dessus et surtout, on a les cuit à feu doux pour que le feu pénètre bien les pommes de terre. On le mettra un peu plus fort par la suite pour le moment et on ramasse un peu les bords parce que la poêle est un peu grande. Au bout de ce quart d'heure de cuisson, on se sert d'un fond de tarte pour retourner la galette. Et on la fait reglisser de nouveau dans la poêle pour cuire de l'autre côté. On peut également augmenter le feu pour bien griller les pommes de terre et elles sont meilleures pour manger un peu plus grillées. Et là, la cuisson doit de nouveau durer un bon quart d'heure. La galette est prête. Bon appétit!